rêve et bien souvent tu es en association. Mais il n'en reste qu'une arme. D'être là et d'être si nombreux. Donc on va essayer de ne pas parler trop fort pour pouvoir s'entendre dans les petits groupes. Et simplement dans cette feuille que vous avez presque tous, j'en referai rapidement plus de deux photocopies en plus pour que tout le monde en ait, il y a donc un appel aux catholiques de France et à nos concitoyens qui avait été donné à la conférence des évêques de France déjà le 11 décembre. Et je retiens simplement, comme nous l'écrivions il y a 2 ans, donc il y a déjà 2 ans en arrière, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, donc ça c'est intensifié par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de notre pays et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changement. Il faudrait être indifférent et insensible pour ne pas être touché par les situations de précarité et d'exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national. Et comme il est toujours bon de faire appel à d'autres chrétiens d'une autre église, donc certains ont peut-être vu un très beau éditorial dans Réforme, donc la revue de un de nos frères protestants, de Michel Bertrand. Je lis quelques extraits. Ne pas voir, ne pas vouloir voir, ne pas prendre en compte les motifs profonds qui nourrissent la crise, sans doute participons-nous tous à ce processus d'enfouissement, car consciemment ou non, nous pressentons qu'une telle investigation risque d'interroger nos modes de vie, nos pratiques quotidiennes, nos conforts et nos conformismes. Il ne s'agit pas seulement des autres dans ce partage que nous allons faire ce soir. Cette crise pourrait appeler à des renoncements, à des changements, voire à des conversions dérangeantes. On le voit, la démarche est autrement plus ardue que déposer un cahier de doléances hétéroclite et contradictoire, ou annoncer un catalogue de mesures forcément et toujours insuffisantes, puisque la racine du malaise est ailleurs. Puisse ce vaste et complexe chantier, qui ne saurait se limiter à 3 mois, raviver et inviter à garder vive la question des finalités et du sens de l'existence. Les chrétiens doivent y prendre leur part, sans la réduire seulement à des positions éthiques, mais en veillant à exprimer ce qui les oriente en amont, c'est-à-dire leur compréhension de l'humain et d'une vie bonne. À la lumière. Expliquez-nous la raison pour laquelle c'est important pour vous, pour l'Église, de faire un débat sur les Gilets jaunes. Alors, je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Hein. Et donc, on est sensible quand même aux personnes qui sont sur les ronds-points, aux personnes qu'on a pu rencontrer, les uns et les autres. Et c'est vrai que nos évêques nous ont invités donc très fortement, et notre évêque aussi en Savoie, à organiser un certain nombre de rencontres qui ne sont pas donc dans le cadre d'un contre-débat, hein, mais pour essayer d'aller peut-être, enfin, je ne vais pas dire plus profond parce qu'il n'y a aucune prétention, hein, mais au niveau peut-être aussi du sens de la vie, du sens de... Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes aussi qui se manifestent à travers ce mouvement dit des Gilets jaunes, hein. Et notre question à nous étant toujours... On est sur Terre, pourquoi ? Pourquoi faire ? Et donc là, dès qu'il y a un petit peu, je dirais, des gens qui expriment justement le pourquoi de la vie, et même si c'est lié au comment vivre, parce qu'il faut bien aussi des subsides et des moyens pour vivre, n'empêche que la question du pourquoi est aussi souvent là, très présente. Alors on a déjà organisé aussi une rencontre à la Motte Servolex, où il y avait 50 de personnes, à Novalaise, dans un bon pays savoyard, il y avait bon, 20 de personnes, jeudi. Je serai aussi à Pont-de-Beauvoisin, hein, pour organiser cette même rencontre. Et on se rend compte que beaucoup de chrétiens sont en fait dans des mouvements très citoyens. Hein. Et donc le fait aussi de se rencontrer et de l'ouvrir à tous ceux qui veulent permet justement de voir que des chrétiens ne sont pas seulement des gens qui vont à la messe, mais qui essayent de prendre à bras le corps aussi les questions que nos contemporains se posent.
Alors, nous, on a été surpris de voir l'éditorial de la conférence des évêques, hein, parce qu'il situe quand même, par rapport à cet désengagement, on peut dire, des citoyens vis-à-vis des partis politiques, d'une part, et puis des syndicats, d'autre part, hein, c'est ce que pointe le texte, l'Église comme le lieu d'une nouvelle fraternité, enfin, ou d'une fraternité possible pour ceux qui l'avaient oublié. Est-ce que c'est pas un peu rétrograde, tout d'un coup, que l'Église revienne au cœur de la police, au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens de la politique, là où la politique s'est un peu libérée quand même pendant deux siècles de l'Église. Oui. Est-ce que c'est pas un peu rétrograde, ça ? Je ne le pense pas, car, comme l'écrit les évêques, l'Église catholique dispose d'un maillage de milliers de paroisses réparties sur l'ensemble de notre territoire. Voilà. Et donc, on vit, je dirais, une fraternité quand même assez forte aussi dans nos communautés. Je vois ici, par exemple, tous les premiers dimanches, comme hier, ce qu'on appelle un dimanche fraternel, où les gens viennent dès 9h30, les enfants, c'est intergénérationnel. Il y a la célébration eucharistique, mais tout de suite après, il y a le repas aussi, un repas partagé, où on est entre 60 et 80 personnes, ici même, dans cette salle où là, tous les gens sont rassemblés. Et je crois qu'on prend conscience que dans cette fraternité, donc c'est quand même notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité, donc on va essayer de mettre la fraternité en premier, et si la fraternité est en premier, peut-être que l'égalité et la liberté viendront beaucoup plus facilement. On est content de rentrer. Les Gilets jaunes, mais peut-être d'autres mouvements, ont porté d'une façon forte une revendication d'une justice sociale, alors qu'on sait que l'Église, c'est peut-être tout à votre honneur, mais développe une charité, mais qui est plutôt liée à l'individu, alors que la justice sociale, elle est quand même liée à la masse du plus grand nombre, et qui est une politique, une revendication d'une politique. Est-ce que là, il n'y a pas un retour en arrière, face à une demande de justice sociale, de proposer finalement une charité chrétienne ? Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, finalement ? Non, parce que le mot charité est mal entendu, on l'entend mal souvent, hein, et alors que c'est, je dirais, c'est un terme, en fait, c'est vraiment pour nous l'amour de Dieu, et il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix sans justice, et quand on prend tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes, bon, avec Jésus, et puis les prophètes d'aujourd'hui, ont toujours lié très très fortement cette recherche de la justice sociale. Hein, il ne s'agit pas uniquement d'une charité individuelle, hein, ces dimensions collectives, elle a toujours été très très forte. Hein, ce que je veux, c'est que la justice coule comme un torrent débordant. On a toujours cette parole dans tous les prophètes de la Bible. Hein. Donc je veux dire, cette dimension de justice sociale, il me semble, peut-être, a donné l'impression qu'on avait peut-être un peu abandonné, mais je crois qu'elle est pourtant très très présente. Alors là, bien évidemment, la TVN Citoyenne, on vous interroge vous en tant que prêtre, mais à travers vous, c'est quand même plutôt l'Église et puis la Conférence des évêques, ou votre évêque plutôt, bien évidemment. Mais est-ce que justement, l'Église en général ou la Conférence des évêques est un peu mou du genou par rapport à, par exemple, des textes qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, où dedans, il y a, en tout cas pour certains textes, hein, une véritable attaque du système autour de l'argent. Là, je pense que c'est Populorum, je ne sais plus... Progressio, qui parlait d'impérialisme de l'argent. Est-ce que justement, la conférence des évêques en général, ou la parole des évêques, moi je pense par exemple à l'évêque Monseigneur Ginoux à Montauban, qui a mis un gilet jaune. Mais en général, est-ce que la conférence des évêques et les évêques ne sont pas un peu mous du genou par rapport à ces textes finalement fondateurs qui sont assez progressistes, on va dire. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on manque sûrement d'audace, de courage, et surtout qu'on a quand même le plan de la doctrine sociale ou de la pensée sociale de l'Église. On a eu un pas en avant avec notre pape François, avec Laudato si, donc sur l'encyclique sur l'environnement, le respect de la création, qui montre bien que tout est lié et que le cri de la terre, de notre terre, de notre planète, c'est aussi le cri des pauvres, hein, le cri des plus pauvres. Donc c'est vrai que si on essaye de mettre un peu en pratique cette encyclique, c'est vrai qu'on devrait être sûrement un peu plus souvent, peut-être dans la rue, en tout cas avec tous ceux qui sont en première ligne pour essayer de sauver notre planète, hein, qui est en péril. Thank you.
Pareillement, est-ce qu'on n'entend pas l'Église et la conférence des évêques autour des violences policières qui sont très très fortes vis-à-vis de ces gilets jaunes comment vous exprimez par rapport à ça? Oui, donc on ne peut que s'élever contre toutes les violences d'où qu'elles viennent. Hein. Alors on peut, en petit cercle, on peut aussi dans nos homélies, enfin je veux dire, s'interroger hein, sur certaines violences, mais il est vrai que on sait aussi la situation actuellement hein, des policiers, enfin bon, très difficile, hein, c'est très difficile d'avoir une parole donc, qui risque souvent de blesser, hein, et donc il y a un recul nécessaire, mais on sait très bien que la violence, d'où qu'elle vienne, de toute façon est toujours condamnable. Hein. Mais là, il y a quand même une violence policière qui est en direction vraiment des personnes qui manifestent. Elle est vraiment dénoncée par des neurochirurgiens, elle est dénoncée aussi par des associations chrétiennes. Je pense à l'ACAT, oui. Qui est une association oui, qui lutte contre la torture et qui ne mâche pas ses mots. Mmh. Justement, est-ce que cette parole de l'Église, qui devrait être importante et peut-être qui permettrait de servir de bouclier par rapport à un pouvoir qui semble ne pas avoir de limites, est-ce que là, il n'y a pas une faillite là, par rapport à ça, oui. Ou un manque de courage ? Oui, sûrement. Surtout si la CAT, donc c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a pris position, mais c'est vrai que... Eux, ils ne cessent pas hein, de prendre position. Non, mais tout à fait. Mais sur cette question-là, précise, on devrait peut-être davantage les écouter. Ça, je reconnais volontiers. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci à vous. Merci d'être venu jusque-là.